malheureusement dans un endroit de la forêt. Vous pouvez me faire... Erin, fais-moi un test de perception avec avantage, s'il te plaît. Tu entends des bruits de discussion, et de cliquetis par là. D'accord, bah je fais signe, sans dire un mot, je fais signe à Hank de s'arrêter, je lui montre la direction. Ouais, je détecte combien de personnes, bon, au moins deux, c'est une discussion, mais plus ou... Pas beaucoup de personnes, très peu. Mais vous entendez au moins une grosse voix. Une grosse voix qui a l'air d'être familière. Ah. Alors, je parle, du coup, je de la tête pour dire que j'ai compris et j'essaie de faire signe de passer entre les arbres pour qu'on se cache et puis qu'on essaie d'approcher. Ouais. Et puis, bon, là, je parle fort pour les viewers et pour qu'on s'entende, mais je chuchote à Hank. Je lui dis, il y en a au moins deux, et a priori, un des deux, ça ressemble à Naxos, la voix. C'est ça, quand tu dis une grosse voix, c'est, ça ressemble bien à une voix de demi-orc. C'est ça. Voilà. Ok. Et les loups, je ne les aurais pas emmenés pour répondre à ta question, en fait. Donc, du coup, moi, je fais signe que j'ai bien compris. Je dis, je montre cette direction-là pour qu'on se dirige pas directement vers les bruits, quoi. C'est par là que tu voulais te mettre, c'est ça? Ouais, voilà, c'est en gros. Ouais, bah j'acquiesce de la tête et puis je suis. En gros, qu'on se dirige là où mon token va pour après qu'on reparte sur la droite pour à travers les arbres pour observer discrètement, quoi. Ouais, et puis qu'on arrive à peu près planqué dans les arbres par là, quoi. Attends. Tac. Ouais. À ce niveau-là, fais-moi un petit jet de discrétion, quand même. Tu vois qu'effectivement, en approchant, tu vois que les voix ont tendance d'être assez animées, donc... Oui. Bon, c'est pas grave, déjà, rien qu'avec ça, c'est bon, tu es discret. Du coup, tu les vois effectivement dans une discussion assez animée où effectivement Anaxos est en train d'essayer de leur refourguer un harnais et une selle. Et les bandits sont franchement pas intéressés par ça. Ils sont en train de leur dire que c'est trop encombrant et que bon, ils sont pas non plus là pour quémander un nouveau bandit dans leur troupe. C'est pas leur truc, quoi. En regardant autour, il y en a d'autres qui sont détectent des bruits où on voit des trucs. En regardant s'il y en a qui surveillent ou est-ce qu'on peut essayer de voir s'il y a d'autres personnes. Absolument pas. Il y a, vous voyez, absolument personne autour. Ok, donc il y a vraiment que les deux bandits et le demi-orc qui discutent, quoi. C'est ça. Et vous reconnaissez, surtout toi, Erin, il me semble, tu reconnais les brassards verts. Bleu ou vert que je vous avais dit? Bleu. Bleu, les brassards bleus. C'est les mêmes, ouais, d'accord. L'idéal, ça... enfin ouais, pareil, je chuchote pas, mais Erin chuchote. L'idéal, ça serait de faire le tour pour être sûr qu'il n'y ait personne de l'autre côté non plus. Parce qu'on est d'accord que s'il n'y a que les trois, on récupère la selle. Là, moi, c'est pareil, je me rapproche. Je murmure le plus bas possible. Pour le moment, on attend, parce que si on bouge, on a toutes les chances de se faire repérer.
Donc, on attend. Quand le silo de Mjork repart par là où on est parti, on le chope pour récupérer la selle. Et s'il repart avec les bandits, on essaye de les suivre le plus discrètement possible pour voir où est-ce qu'ils vont. Ouais, bonne idée. Bonne idée, bonne idée. Vous tardez pas, du coup, à voir les bandits s'énerver sans trop vouloir être menaçant avec lui et lui dire de repasser demain pour voir s'ils ont réussi à vendre cette maudite selle et ce maudit harnais. Mais ils lui promettent pas d'avoir grand chose à lui redonner en retour. Et Anaxos, lui, de leur répondre que quoi qu'il arrive, il reviendrait assez vite demain soir pour obtenir son dû et il enterrait que la paix soit au rendez-vous. Et vous voyez qu'effectivement, Anaxos s'en va. Donc sans la selle. Sans la selle et sans le harnais, il les laisse aux bandits. Ok. Ben, je crois que c'est le moment. On fait. Alors, toujours en murmurant, hein, moi je suis collé à côté de Erin. On a deux solutions. Soit on y va maintenant et on repère pas le camp des bandits. Soit on les suit et on repère le camp des bandits et on revient demain. Le truc, c'est que si on revient demain, c'est dans le camp des bandits. En supposant que ça n'ait pas été vendu, je ne sais pas s'ils vendent la nuit ou quoi, mais et surtout ça sera dans le camp des bandits, donc avec plein de bandits. Là, ils sont a priori de ce qu'on voit, ils sont que deux. Justement, moi, c'est a priori de ce qu'on voit. Dans la forêt. Parce que moi, je suis à la place des bandits. J'en envoie deux négocier. Par contre, j'attends à trois ou quatre, un peu plus loin en embuscade de l'autre côté. Au cas où ça se passe mal, justement. Je dois attendre qu'ils prennent le chemin du retour, et dès qu'ils prennent le chemin du retour, on les intercepte, on prend la selle et on part. Hein. Parce que demain, j'ai peur que dans le camp des bandits, ça soit compliqué de récupérer ça sans que ça soit un gros bain de sang. Ça, c'est une autre histoire. Personnellement, je préfère attendre de voir. Ils sont vraiment que deux. On les suit discrètement. On les suit. On les suit de loin alors. Mais on les intercepte avant qu'ils arrivent au. Enfin, on les intercepte dans peu de temps. Si on voit qu'ils sont vraiment que deux, on peut essayer de les intercepter. Ok, on fait ça alors. Ça me va. C'est quoi, vous attendez un petit peu? On attend que les deux bandits repartent en direction de leur camp. Au moment où ils se sont un peu éloignés, on contourne les ruines dans la forêt pour essayer de les suivre. Alors tu vois les deux bandits ici qui sont partis derrière par ici, enfin l'autre par là, et ils sont en train de ramasser du bois par terre et ils font des allers-retours pour ramener le bois sur la selle et sur le harnais. Ah bah encore mieux, on va les laisser finir de mettre le bois. Ah bah... Ils sont en train de cacher la selle, on va les laisser faire. Ou alors ils y foutent le feu. Je suis pas persuadé qu'ils foutent le feu à un truc qu'ils aient gardé. Au pire, si on les voit commencer à mettre le feu, on intervient, mais... Attendons alors. Et vous les ils sont en train de les planquer. On m'annonce une crise cardiaque. Donc moi du coup, je me dis au cas où... je sors mon arbalète et je place un carreau sur l'arbalète et je me prépare à faire feu au cas où on voit qu'un des deux bandits qui décide de mettre le feu au tas de bois.
voyant que Hant est sur la voie pacifique, je prends une javeline en main aussi. Vous entendez les deux mecs qui, du coup, quand ils se croisent, disent « Non, mais déjà, on s'est mangé une bonne raclée ces derniers jours, et en plus, faudrait qu'on aille refourguer le matériel d'un abruti. Non, mais sérieux. Moi, je préfère abandonner tout de suite cette idée de ce qu'on est en train de faire et de tout de suite faire autre chose. On va brûler ça et comme ça, on n'aura plus de preuves et on se barre d'ici. Le mec, ouais. Il fait un tas de bois pour cramer la selle en plein milieu de la forêt. Putain, faut l'arrêter, ouais. Du coup, moi, je regarde Erin. Ils font ça ici. Ouais, bah, je te fais un signe de tête. Je te fais un signe de tête dépité. Ouais, bah, ils n'ont pas inventé l'eau tiède, je suis d'accord. Et tu les vois effectivement tous les deux réunis là. Et tu vois que malgré l'humidité, ils essayent de façon assez désespérée d'allumer un feu. Je vise le premier. Le plus proche je décoche un carreau sur lui. Dans une ouverture, tu peux faire un javeline qui partira juste après quoi. Arbalète légère. Attaque par surprise, papa. Du coup, le carreau ne touche pas. Et que fait Erin de son côté? Dès que le carreau y part, il y a une javeline qui part aussi. Le okay. Carreau, il n'a pas touché? Non, pas touché. Ah, je fais 9-1. 22, par contre, celui-là, il touche. Tu touches lequel du coup? Il y en a un des deux qui est en train d'essayer de mettre le feu. Les deux sont en train de faire le feu parce qu'ils sont tellement désespérés qu'effectivement ils sont deux. Le plus proche alors. Il y en a un qui souffle et l'autre qui frotte. C'est ça. Et tu arrives à en viser un, mais en plein à travers le ventre. Et effectivement, ça le fait hurler. Et l'autre lui dit « Mais quoi encore? Qu'est-ce qu'on t'a fait ?» Et tu vois que celui-là, il se barre. On a le temps de réagir là ou... Oui, vous avez le temps de réagir si vous voulez. Dès que je peux, la deuxième javeline est part. Hein. Moi pareil, hein, j'ai rechargé et puis je tire un deuxième carreau sur celui qui reste. Sur celui qui reste sur place. Quoi. Alors je peux faire mon mouvement en même temps que la javeline, c'est un mouvement normal. Oui. Alors, je fais son mouvement à l'autre, donc j'y suis. L'autre, je suis pas sûr que vous allez rattraper, en fait. Bon, voilà. Et moi, je tire sur celui qui s'est pris la javeline. Ouais. Hop, un 10. Donc celui-là, vous le tuez. Et donc, toi, Erin, tu m'as dit que tu tirais celui-là. Du coup, s'il est HS, si je peux tirer celui qui s'enfuit, je tire celui qui s'enfuit, sinon... Ouais, allez. En revanche, j'ai pas l'échelle pour le mouvement. Je sais pas comment avoir l'échelle. Tu prends sur la réglette. T'as un rond avec une règle. Je sais pas si tu la vois. En dessous de la loupe. En dessous de la loupe. À 6 mètres. Ouais, mais attends, toi, sur la barre d'outils à gauche de Roll20, voilà. Tu as pinceau, éclair, loupe, et en dessous, t'as réglé. Ouais, nickel, ok, c'est bon, je te remercie. Donc là, c'est pas en hauteur, on est d'accord, hein. C'est même le sol. Hein. Oui. Oui, là, on a même le sol, là, on est dans la forêt, donc... Ouais, non, mais je veux dire, c'est pas une tour ou quoi que ce soit, c'est juste des... ça a l'air d'être des ruines, quoi. Forêt, ouais. Du coup, je tire le deuxième avec la javeline. Tu peux, oui. C'est vrai que... Là, tu peux. Et ça ne touche pas. Effectivement, il court assez rapidement. Et effectivement, ça...
Ça touche pas. Ouais. Du coup, et moi. Celui-là est mort. Je m'approche d'Irwin. Ouais. Donc je vais vers le bandit. Je m'accroupis vers le tas de bois, le bandit, et je regarde autour pour voir si j'entends d'autres mouvements que le bandit qui s'enfuit. Un jet de perception. Perception, c'est où, là? Tu ne vois absolument rien de particulier. À part, du coup, l'autre bandit, au bout d'un moment, tu ne finis par ne plus entendre sa course. Okay. Tellement il est loin. Du coup, je fouille le bandit qu'on a tué. Tu trouves un poignard où le pommeau est de couleur verte. Pendant ce temps-là, j'ai poussé. Enfin, tu sais, j'enlève le bois de la selle, j'enlève la poussière, et je la prends avec les harnais. Qui doit être contente. je trouve que le poignard sur le bandit. Ouais, après, tu trouves son équipement. Tu trouves. Une arbalète légère et une cimetière aussi. Et puis il n'y a pas de carreau? Ah si, c'est carreau, 20 carreaux. Normalement. Ouais. Du coup, je récupère les carreaux parce que j'ai une arbalète légère. 20 carreaux. Je récupère son signe distinctif de bande, et puis la javeline de Erin que je lui redonne. Merci. La selle et puis quoi qui avait été volé. Je prends le mort. Et je laisse la selle à Erin qui, a priori, est plus costaud que moi. Juste pour savoir, la deuxième javeline, elle n'est pas apportée sur un arbre ou... Non, il n'y a pas... Elle est plantée sur un arbre. Si. Celle que tu as tirée sur l'autre, tu peux la ravoir. Je la récupère vite fait alors et puis on repart. Hein. Mm. Ouais. On s'attarde pas, moi je cherche pas le premier carreau que j'ai perdu vu que j'en ai déjà récupéré 20 plus le deuxième sur le bandit. Donc je m'amuse pas à chercher l'autre et puis une fois qu'Erin a récupéré sa javeline, je lui fais allez on file. Et puis si t'as besoin, tu me passes tes javelines pour porter plus rapidement la selle. Ouais, là ça devrait aller, je te remercie. Si, alors on repart, mais de façon discrète aussi, parce qu'il y a toujours un Axos, histoire de ne pas le croiser. Ouais. Ok. Du coup, vous ne recroisez pas un Axos sur votre chemin. Vous ne recroisez pas d'autres bandits non plus. Mais du coup, vous rentrez au relais d'or, j'imagine. C'est là que. Ouais. Point de chute. Bah ouais. Et les autres également, il me semble. Oui, on est arrivé avant eux ou pas? Je pense bien avant, oui. Je pense qu'en arrivant au relais... On ne l'a pas croisé sur le chemin. Si on n'a pas croisé Anexos non plus, nous. Et en arrivant au relais, je demande à ce qu'on nous prépare un thé bien chaud, une tisane bien chaude pour notre repas, pour nous, et qu'on laisse chauffer... pour nos amis qui reviennent. Moi, je vais aller voir ce qu'a petit bien avant. Justement, quand vous avez demandé une tisane, vous voyez... Alors, avant qu'il arrive, je le pousse dans la cuisine.
je ferme la porte. Je dis non, ça va pas. Il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, tu vois qu'il prend un peu de miel. Il lui fait un peu de une petite coiffure façon avec un peu de gel pour qu'il soit bien, bien présenté. Il incante un petit peu avec des gestes pour lui faire un petit parfum de rose. Ça fera son effet. Maintenant, tu peux y aller. Attends. Est-ce qu'il y a Elpierre ou Georgia à votre proximité? Ah oui, Elpierre est là, oui. Elpierre est encore là. Elle était avec Elpierre en train de discuter de des marchands ambulants qui apparemment l'agacent beaucoup. Ah. Du coup, j'ai dit... Elpierre. Ouh. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez venir 5 minutes? Oui. Qu'est-ce que vous foutez dans la cuisine? Du coup, je referme la porte et je lui demande est-ce que vous aurez un foulard ou un nœud pour ce capti? Bien sûr que j'en ai. Attends, elle va chercher dans sa chambre. Attends, elle s'assoit, elle commence à faire sécher ses vêtements. Elle retire le cap, elle s'installe. Une serviette pour... Ah oui. Je viens de faire un test de perspicacité à Elpierre, quand même. Et du coup, elle arrive avec un petit châle bien coloré. Parfait. Du coup, je l'installe sur ce capti. Et puis, j'entrouvre la porte et j'incante encore prestidigitation pour faire des petites notes de musique. Et j'ouvre la porte et je me cache derrière la porte. De toute façon, et je lui fais, vas-y,